Il s'était passé une semaine depuis que je m'étais échappé des flics. Et là, j'étais parti pour essayer de vendre le matos que j'avais réussi à piquer. Le niveau de stress était toujours élevé, mais les choses s'étaient déjà calmées. Et je pourrais me re-rendre dans Green Street sans trop attirer l'attention. Du coup, j'étais parti voir mon pote, le vendeur du pawn shop. Et je m'étais remis en route. La maison était juste devant. Et d'après mes sources, la personne qui se trouvait à l'intérieur devait partir aux alentours de 8h du matin. Ça me laissait peu de temps. Mais j'avais une opportunité. Une opportunité d'entrer et de faire ce qu'on me demandait. L'objectif était simple. J'entrais, je trouvais des bijoux et je me cassais. Mais la personne qui habitait ici avait pas mal d'ennemis. Et certains voulaient voir des choses disparaître. Comme des verres de vin, ou des toilettes, ou même une vitre. J'avais accepté, ça payait pas trop mal. Et là, j'observais tranquillement. Personne ne me voyait, j'allais pouvoir escalader en paix. Je me retrouvais dans la propriété. Il restait encore un quart d'heure avant que le proprio quitte les lieux. Un quart d'heure pour voir un chemin d'entrée. La vitre, c'était pas encore possible. J'avais pas encore le matériel, ni les compétences nécessaires. Du coup, je m'avançais. Tranquillement. Je ne sais quel don permettait de savoir où se trouvait le propriétaire. Finalement, il avait quitté la propriété. C'était bon. Tout doucement, j'ouvrais cette porte avec notre crocheteur automatique. Voilà, je me retrouve à l'intérieur. Alors, j'observe. Il y a l'air d'avoir du bon matos. Et au niveau des emplacements, c'est bien comme on me l'a décrit. Il y a du pognon là à l'entrée. Un bon paquet de pognon. Allez, je le mets dans ma poche. Voilà, tranquille. Soudain, je m'interrogeais. Mais non, j'allais m'occuper des verres à vin. Ils se trouvaient dehors, visiblement. Ils avaient vraiment bien fermé toutes les portes. Les verres étaient juste devant. Un coup de baramine et c'était terminé. Voilà, tranquillement. Je rentrais, je laissais tout ouvert. J'étais pas là vraiment pour piquer. L'objectif premier, c'était d'abord de faire ce qu'on m'avait demandé. Mais si je pouvais embarquer un ou deux trucs dans mon sac qui m'alourdirait pas, c'était toujours bon à prendre. Du coup, j'avais les toilettes juste devant moi. Personne pour me voir. Voilà, un seul coup. Bon, il ne restait pas beaucoup de choses à faire. Et là, il y avait un téléphone. Ok. Allez, sereinement. Et finalement, je les voyais. Les fameux bijoux. Je l'embarquais. Ça avait l'air d'avoir une certaine valeur, mais je pouvais pas le liquider comme ça. Et puis finalement, ma cupidité a repris le dessus. Est-ce qu'il y avait des trucs à piquer? Bon, mon sac était à 3/4. J'avais encore l'opportunité de pouvoir charger. J'avais pas oublié ce qui était arrivé la semaine passée. Voilà, le sac était presque plein. Allez, pas trop de cupidité, fallait se casser. Voilà. Là, un peu stressé, j'avais pas pensé à reprendre le lierre qui m'avait amené dans cette cour. Et finalement, je me suis mis à ouvrir le portail. Heureusement, tout s'est passé comme une lettre à la poste. Et en quelques secondes, je me retrouvais dehors, proche de la voiture, et je pouvais me casser. Un boulot rondement mené, pas de risque. Ah, les joies du métier. Et finalement, je reprenais la route. J'allais aller vendre tout ça au pawn shop, et puis me mettre peut-être au travail. Pour démonter ses bijoux. Et j'étais rentré. Maintenant, l'objectif, c'était de démonter ce bracelet héritage. Ça devait valoir un paquet de pognon, et c'était la première fois pour moi. Et du coup, j'hésitais un peu. Comment réussir? J'avais tout le matériel disponible, il me restait juste à tenter. Alors, je m'y suis mis. Finalement, ça se trouvait être plus simple que ce que j'aurais pensé. Il me suffisait de venir, de démonter précautieusement
à LE bijou qui était ancré dans cette chaîne en or. Et après, j'aurais plus qu'à tout revendre. Voilà, il n'en restait plus qu'un. Tranquillement, mais sereinement. Et Vinny, je ne sais comment, était au courant que j'avais fini. Désormais, je devais pouvoir ouvrir un coffre. Bon, j'avais un peu d'argent pour acheter cette compétence. Avec la nouvelle compétence, je partais pour cette précieuse mission. Direction, le numéro 102. Un document se trouvait dans un coffre-fort, et mon boulot, c'était de pénétrer et de réussir à récupérer ce document. J'espérais avoir tout ce qu'il me fallait, mais j'allais vite me retrouver face à une impasse. Je laissais la voiture à portée, juste au cas où. La maison était là, juste devant. Je sentais que ça allait être un moment épique, quelque chose d'intense, avec la possibilité de voler des choses vraiment très rares, beaucoup d'argent à se faire. Je grimpais la clôture, aucune difficulté. Trois nains, personne m'avait vu. Fallait un coupe-glace, un coupe-carreau, un coupe-verre. Voilà, vous le disiez comme vous vouliez. Impossible d'entrer par les fenêtres. Bon, je devais d'abord m'assurer qu'il n'y avait personne qui pouvait me remarquer avant d'entrer. Et je vérifiais en même temps qu'aucune fenêtre n'avait été laissée ouverte. Le document était là, juste derrière cette fenêtre, mais impossible d'y entrer. Bon, il me restait une opportunité. Si aucune fenêtre ne me permettait d'entrer, il me restait la porte d'entrée. La porte était ouverte. Bon, on était devant l'entrée, j'étais toujours accroupi, l'air très suspect. Et mince, impossible de crocheter, il fallait la clé. Bon, peut-être qu'il y avait une opportunité d'entrer sur le côté, on ne sait jamais. Non, rien du tout. Impossible d'entrer avec mes compétences actuelles. Pourquoi Vinny ne m'avait pas prévenu? Je risque de me faire choper à tout moment. Bon, allez, on garde notre calme. Peut-être que j'ai mal regardé. Allez, j'avance. Non, rien n'y fait. Bon, bah, il va falloir que je quitte l'endroit et que je récupère ce coupe-verre. Et ça, le plus rapidement possible.